Alors, le tutoriel d'aujourd'hui consistera à importer des contacts d'un compte Gmail. Par la suite, nous verrons comment procéder à l'importation de contacts via une feuille Excel. Nous verrons que la procédure diffère légèrement selon l'import de Gmail ou d'une feuille Excel. Je vous rappelle que je travaille sur Office 365. Pour l'occasion, j'ai créé un compte Gmail totalement fictif. Donc là, j'ai déjà créé des contacts aussi totalement fictifs. Alors pour importer des contacts via Gmail, il va falloir aller sur la gauche ici et cliquer sur Exporter. Cliquez aussi sur CSV Outlook. Donc là j'ai quatre contacts, je vais les importer la totalité de mes contacts. Cliquez sur Exporter. Et il y a un fichier .csv qui va se créer. Je vais le mettre sur le bureau. Je vous rappelle qu'un fichier CSV est un fichier Excel texte. Donc je peux à présent fermer Google et mon compte Gmail. Je vais aller chercher le fichier que j'ai importé, contact.csv, et nous pouvons voir que je peux différencier un fichier Excel d'un fichier CSV dans la mesure où il y a un X et un petit A. Donc je vais l'ouvrir et nous allons voir que toutes mes données se reposent sur une ligne. Je vais donc procéder à un enregistrement, fichier enregistré sous ce PC. Et là, faites très attention. Donc par défaut, il vous met CSV séparateur point virgule. Ne pas prendre cette option, prendre plutôt l'option CSV délimitée par des virgules. Je clique et je fais enregistrer. Je dis oui. Je peux fermer mon fichier CSV et là, je vais ouvrir mon logiciel Outlook. Donc pour importer mon fichier CSV dans mes contacts Outlook, donc là, nous avons quoi? Tout en bas, nous avons la messagerie, nous avons les contacts, nous avons un calendrier, des notes. Donc moi je vais cliquer sur Contact. Par la suite, aller dans Fichier, ici Ouvrir et Exporter, et ici cliquer sur le bouton Importer, Exporter. Alors, cocher dans l'option Importer à partir d'un autre programme du fichier, cliquer sur OK. Ici, valeur séparée par une virgule, sélectionnez cette option, suivant, et ici, je vais aller chercher mon fichier CSV. Donc je fais parcourir, je sais qu'il est sur mon bureau, il est ici, contact.csv. Je sélectionne et je clique sur OK. Alors là, bien sûr, vous pouvez cocher sur remplacer les doublons par les éléments importés, autoriser la création de doublons, ne pas importer des doublons. Bon, moi je vais choisir autoriser la création de doublons. Je fais suivant. Donc là, je suis dans Outlook et sélectionner contact. Je fais suivant. Ici, je vais aller vérifier si le mappage a été respecté. Donc champ personnalisé, je clique. Alors, le côté gauche, c'est mon fichier CSV. Le côté droit, ce sont les options par défaut de Outlook. Donc le deal c'est de, lorsqu'il n'y a pas de mappage qui est fait, je dois prendre par exemple first name, c'est le prénom. D'abord cocher sur non, sur le petit plus. Ici, first name c'est le prénom, donc je fais un glisser-déposer sur prénom. Last name c'est le nom, je fais un guichet-déposer sur le nom. Et je vais aussi prendre l'email, l'adresse email. Donc là, sur les options Outlook, là c'est adresse, voilà c'est ici. Donc je vais prendre email et glisser-déposer sur adresse email. Bien sûr, si j'avais voulu mettre le numéro de téléphone, l'adresse postale, etc., j'aurais procédé de la même façon. Donc ici, je clique sur OK et sur Terminer. Donc le transfert se fait et comme nous pouvons le voir,
les contacts ont bien été importés, donc Julie Barre, etc. Donc bien sûr, si vous souhaitez envoyer un email, il suffit de cocher, de cliquer sur envoyer un courrier. Et comme nous pouvons le constater, l'adresse est déjà, donc bien sûr objet, etc., etc. Nous allons à présent voir comment importer des contacts, mais dans un fichier Excel. Donc je vais pour la peine effacer CTRL A tous mes contacts que je viens d'importer. Je vais aussi supprimer mon fichier CSV. Je fais supprimer. Et je vais aller chercher mon dossier Excel où j'ai créé, bien sûr, fictivement, des contacts. Donc là, je vais procéder de la même façon. Donc je vais devoir l'enregistrer en fichier texte. Et là, non pas en CSV, mais en fichier texte. Donc je fais enregistrer sous ce PC. Je vais choisir donc fichier texte, texte, séparateur, tabulation. Alors l'extension est .txt et non pas CSV. Donc je clique sur enregistrer. Donc là, je peux me rendre compte tout en haut que il a bien été créé dans classeur 1.txt. Pour la peine, je vais aussi changer le nom. Donc je ferme mon fichier. Ici, je vais faire renommer. Et ici, je vais l'appeler contact. Je fais entrer. Je vais de nouveau ouvrir mon logiciel Outlook. Toujours pareil, fichier. Ouvrir et exporter, importer, exporter, là c'est pareil, importer à partir d'un autre programme ou fichier, suivant, valeur séparée par une virgule, suivant, et ici je vais sélectionner mon fichier, donc je sais qu'il est sur le bureau, et là comme nous pouvons le constater, mon fichier .txt n'apparaît pas. En effet, par défaut, il me propose uniquement des .csv, donc pour avoir la main sur ce fichier, je vais taper point, étoile, point, étoile, et je fais entrer. Et comme nous pouvons le voir, mon fichier contact.txt est ici. Donc je clique deux fois, je fais suivant, je clique aussi sur contact, suivant, et là, champ personnalisé. Et je procède de la même façon. Donc là, par sécurité, je vais effacer le mappage et le refaire. Donc non, je vais bien sûr le mettre sur un glisser-déposer sur nom. Je procède de la même façon pour le prénom, glisser-déposer. Et je vais aller chercher l'email, l'adresse mail, adresse de courrier, voilà. Je prends mail et je fais glisser-déposer. Je clique sur OK et de nouveau sur terminer. Le transfert se fait. Je vais bien sûr aller dans contact, tout en bas, afin de vérifier que mes contacts ont bien été importés. Voilà, ce petit tutoriel est enfin terminé. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.